Musical FR, notre album, on l'a sorti déjà en fait il y a un moment. Et là, en l'occurrence, la maison disque a eu vraiment une très très bonne idée qui était en fait de rendre l'album un peu plus personnel ici en France. Donc on a eu la chance d'avoir plein d'artistes qui ont eu eux-mêmes des expériences, je crois, hein, dans la comédie musicale, que ce soit Natacha Saint-Pierre, Lisa Angel. On a que des Vincent Niclot, Hélène Ségara, on a que des gens qui ont des voix mais vraiment exceptionnelles et ça fonctionne très très bien avec le genre de répertoire et on a aussi enregistré en fait des chansons qui sont même pas sur l'album du coup pour le public français. Je ne sais pas si c'est eux qui m'ont vu en Juliette, si c'est la maison de disques. Je sais en tout cas que quand on m'a appelée, la chanson était déjà choisie. Et moi, ça m'a plu, donc j'ai dit oui comme ça et je suis allée en studio. Les choses se sont faites très facilement, en fait. Quatre Roméo pour le prix d'un, franchement, je trouve que j'ai de la chance. J'avais un beau balcon, j'avais des beaux Roméo. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Il y a une personne qui m'a donné envie de chanter, qui s'appelait Barbara Streisand, qui avait fait cette reprise de la comédie musicale Cats. Et voilà, et aujourd'hui je la chante avec une magnifique orchestration et quatre magnifiques voix. C'est nos maisons de disques qui ont eu l'idée. Eux, ils ont été voir les liens. Ils connaissaient mon duo, évidemment, avec Bocelli. Ils connaissaient ma prestation en tant qu'Esmeralda. Donc tout de suite, ils ont dit, ah oui, ça serait formidable. Et moi aussi, j'ai dit avec grand plaisir, parce que je les avais découverts. Ils accompagnaient Barbara Streisand, ils chantaient avec Barbara Streisand, justement. Donc, je les avais découverts comme ça. Et puis, ils ont chanté avec Céline Dion aussi. Et je me suis dit, bah, ça sera super. Et puis voilà, ça s'est fait.